Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dicewalk. Alors, petite démo de Rogue Legacy. Je pense qu'on va s'en faire deux. Ah, il y a un monde où cette vidéo ne sortira jamais parce que c'est nul. Mais si ça sort, c'est que c'est la fin. Quelle cinématique. C'est un truc sur les Aztèques. Humanity almost disappeared 300 years ago. Today, the mad sorcerer sleeps deep in the heart of the Eborian peak to the east, from which his evil grip still controls the magical fauna of our lands. However, us dice folk, masters of will-bending dice, are able to command chimeras as well. At least, that's what the books told us. If humanity is too weakened to fight back Salem, I will. Okay. Bon, chill, sympa, mais... Et les graphismes à la Wakfu, par contre, là déjà tu m'as. Sur ce dire, il faut pas trop longtemps, on va tomber sur les chimères de Salem. Pas d'inquiétude, mes chimères sont là pour. Oh, c'est un Pokémon! Une chimère en toute capacité unique, composée d'un déclencheur suivi d'un effet. Quand ça apparaît, c'est des dégâts. Ces six chimères sont en tête de leur équipe, on les appelle les Moonas. Prêt à agir. Un dé blanc permet de commander mon équipe, un dé sombre permet de commander mon équipe. De sélectionner et valider un dé pour que la chimère corresponde à son action. Et en vrai, l'idée est pas mal. Garde une chimère infectée, on ne pas de dégâts. Jetons de soin. Ok. Ok, ok, vas-y. Pour l'instant, là, ça va. Moyen, je peux toujours jeter un œil à mon équipe en occuper en appuyant sur le bouton carré. Mais je me rends à présent. Alors, attends. Genre ça. Ne reçoit pas de dégâts à la prochaine attaque. Pour leader, comme ça pour le premier combat, ça va. Brood F, forge OD. Allo forge. Amélioration. Ah, enfin un client, j'ai de la chance. Ok, d'accord. Il faut nous 50 de thunes à chaque fois. Inflige un montant de brûlure égal à la force du meneur allié au meneur adverse. Sommet du meneur adverse. Un dé qui ne dure qu'un combat. Et en fait, là, t'améliores tes trucs. Ok. En vrai, ça me va. Hein. Pour l'instant, c'est pas si mal. Manger une brood. Eh, merde. Ok. Là, il y a un combat. Ok.
D'accord. Et les chimères, du coup, tu t'as celles de base et... les améliores pas, j'imagine. Je les ai en... là, le jeu est très simple. Par contre, pour l'instant, aucune difficulté. Voilà. Après, c'est le tuto. Donc... ah, et là, ça va. Tant plus un emplacement destiné à les chimères de choix. Mettre tous ces œufs dans le même panier, vous connaissez. J'irai au feu après. Donc... sont vraiment à chaque début, donc ça, c'est vraiment... petite victoire. Inflige un montant de brûlure égal à la force du métal comme leur adverse. Ok, c'est pas mal. C'est un petit peu de soin. Sanctuaire de chimère. Oh nice. Régner mon établissement, je pourrais la recruter afin de l'aider. Je pourrais continuer d'explorer pour libérer d'autres chimères dans le sanctuaire. La route pour les autres sanctuaires peut s'avérer dangereuse, mais j'aurai plus d'options si j'y parviens. Ah, ok. Donc, soit je la recrute, ça me prend une place, soit j'attends plus tard que je la recrute. Ok, c'est ça. Ok, ok. Le jeu te dit, c'est mieux de ne pas recruter les chimères tout de suite. D'attendre. Oh, 40 avec 4 de force de base. Pas trop au niveau de la rotation, mais je pense qu'il y a des trucs qui sont... J'aurais dû faire une rota, comme ça j'aurais tué une fois. Parce que la marque qui existe là... J'ai l'impression que ça se joue un peu automatiquement aussi. Hein. Ok. Hobby du maître. Plus aucun dé. Gagne car. Quoi? Relance. C'est une nouvelle phase de dé peut être très intéressante. Thank you.
Laisse-moi juste m'équiper de ça. Parce qu'on dit tout le monde les chiffres, oh, c'est pas mal ça. Donc j'ai une statistique de ça, c'est pas mal. On va faire ça. Je peux faire une action, je sais pas si peut-être que je peux en faire plus. J'ai un peu de thunes, mais 27 ça suffira pas, je pense. Putain, on a vraiment fait un combat de boss. Les mobs en face, même si moi je ne fais pas tourner, sauf que je le sache. Là, les deux trucs à la torse sont partis. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il attaque en fond le celui qui est en bas à gauche là. Je sais vraiment pas pourquoi il attaque tout seul. Faudrait que j'arrive à comprendre. Parchemètre. Chimère étrange émerge du parchemin. On peut le remplacer par elle. C'est pas si mal. Odorat dragon. En vrai c'est un sorte de Pokémon avec des chimères. Quoi. Quand tu remplaces par contre c'est que du coup ça... Oh ok, celui-là. Bon, je vais enculer sa mère. Deux boss, t'as un coffre. Game implaçable. Une chimère affectée survient à ta côté. Oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal aussi. Je pense qu'on peut prendre ça contre le boss. Ou ça. En vrai. Et là, du coup, hop, ça. Le boss, il va faire des dégâts de bâtard. C'est quoi ça? Retire les bonus de l'équipe alliée tout entière. Ouais, octroie furtif à un allié aléatoire. Du bonus de l'équipe alliée tout entière. C'est-à-dire que si on a d'autres bonus, ça les retire aussi. Ah bah non, c'est de la merde. À 12, mais je pense que le forgeron n'aura rien parce qu'il coûtait 50. Ah non, 5-6, pardon. Ok, d'accord, j'ai à peu près compris le système du jeu, pourquoi pas en vrai. Un petit jeu sympa. Hein. En vrai, s'il y a une histoire, c'est peut-être faux, mais. Un adversaire de taille, un boss. Il y a même un des spéciales que seul le boss peut utiliser. C'est juste avec le boss. Ok. Thank you.
compliqué, hein. Renseignement. Alors, celui qui fait plus de dégâts au boss, c'est qui du coup? C'est le celui qui a les machins. Je suis en train de me faire enculer. Hein. Excusez-moi. Hein. Ok, là le mid-boss c'était simple, là c'était plus chaud. Blessé, inflige 2 dégâts de plus à l'adversaire, plus 2 de force. Ah ouais, la régène ça peut être pas mal, mais après les 2 de force aussi. Passive 2 de force, mais c'est tous les combien? C'est au début du tour j'imagine. Ok. Bon bah les amis, voilà, 20 minutes de démo, moi ça me va, j'ai pas besoin d'aller voir plus. Le jeu est vraiment bien. Honnêtement, alors bon après c'est du chillax, je vais regarder. Il est sur Steam, je l'ai vu, il était un peu cher par contre. Il y a des promos là, mais attends, laisse-moi voir la page de Dicebox. Consultez la page du magasin. Il a combien le jeu? Il a 15 balles. Ah oui, d'accord. Putain, je trouve ça un peu rush. On va voir sur Instant Gaming. Après, non, l'ambiance est sympa. Les graphismes sont sympas. Enfin, il y a 10 balles sur Instant. Ok. Ouais. En vrai, une petite promo à moins de 10 balles, pourquoi pas? Ça peut être. Ça peut être. Juste laisse-moi voir. Dicefolk, okay, combien de temps les mecs ont? 3h30 l'histoire principale, 10h au global et en général 7h, ok. Oui c'est ça. Les mecs ont fait entre 5 et 10 heures pour finir le jeu. Donc un petit jeu sympa mais ouais. Bon. 10 balles. Bah après en vrai il faut bien payer les mecs quoi. Non. C'est pas mal. En vrai, je suis plutôt content d'avoir testé ce jeu. Je ne pense pas l'acheter, mais voilà. Au cas où ça vous fait un petit peu de gameplay, au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et à la fin, du coup, j'imagine t'as un hub, du coup, si tu reçois des talismans, t'as des time, t'as le nombre d'or, le nombre de points. Ok. En vrai, pourquoi pas? Ah, c'est les mobs que tu as croisés. Ok. Oui, t'as un Pokédex, quoi. Ça a l'air d'être un petit jeu en départ, hein. Genre vraiment t'allais pas avoir des... Ah trop marrant, et t'as la taille par rapport au personnage. Le boss a été immense. Et pareil niveau des équipements. Ça fait beaucoup penser à Fatal Spire, c'est des jeux où genre tu peux passer du temps tu vois. Pas mal hein, pas mal. Ok, je regarde dans s'il y a des trucs mais je crois y'a rien. Merci à tous d'avoir suivi YouTube, des bisous, à très vite, ciao ciao.